Parce que vous êtes déjà fini. Envoyer une église comme ça, c'est une détermination. Amen. Dieu aime la purification. La colombe ne peut pas résider là où il y a le mauvais odeur. Et la colombe représente le Saint-Esprit. Mais comment tu es comment se fait une nouvelle église? Père Abraham ouvre la porte. Et il est resté là ébloui. Et il dit, n'est-ce pas la même personne qui tu avais fait des gâteaux? Holy God, Nazareth.
Là, il a dit au Fils, octroie au Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, la paradis d'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta roi, tu cuis de joie au-dessus de tout. Disons dans 1 Timothée chapitre. Sans contredire, le mystère de la pété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, vu dans le monde, et livré à la croix. Amen. Amen. Oui. Seigneur Père Céleste, nous avons lu la parole. Et quand Dieu le seul a venu vivre, à l'interpréter, à la simplifier, de la compréhension même aux croyants le moins spirituel. Parce que c'est ce que tu révèles d'abord à un fils qui va te reconnaître. Parce que ce n'est pas connaître la parole, mais c'est de te connaître. Toi, le véritable Dieu. Bénisse la paix et l'écriture au nom de Jésus. Amen. Amen. La révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. La Bible, pourtant la Bible explique bien. Personne ne peut comprendre la Bible sans qu'on puisse l'interpréter. Si la Bible était compréhensible, même là on a lu déjà, il montre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais quand j'ai lu, on n'a pas compris. Même moi, je n'ai pas compris. Amen. Amen. Même pas compris. Mais quelque chose que j'ai dans Romains 1, c'est à cause de ça, les gens ont adoré une créature. Au lieu d'adorer le Créateur, et Dieu les a livrés à des désirs infâmes. S'il y a des homosexuels, hommes et hommes, c'est à cause du rejet de la divinité. S'il y a des lesbiennes, amen. S'il y a des lesbiennes, c'est à cause du rejet. C'est ce que Romain vient de dire. Il les a livrés afin de commettre des actions hommes et hommes. Des choses infâmes. Quand vous voyez une lesbienne, c'est une malédiction. Si vous les recevez chez vous, vous recevez la malédiction. Ce ne sont pas des gens. Ils ne sont pas contre Dieu. Ils sont contre la nature. Amen. Donc, Dieu, ça dit, Dieu ne le connaît même pas. Et le péché de Sodome a été commis. C'est ça le péché de Sodome. L'homosexualité, c'est ça le péché de Sodome. Et aujourd'hui, la science démontre que le sida provient des miracles des microbes produits par les homosexuels. Parce que ça, c'est corrigé Dieu. Amen. Moi, je me dis, quand je vois une lesbienne, c'est une fille de Dieu. Donc, vous devez l'exercer.
des hommes, ils sont déjà qualifiés. Amen. Mais ici, la raison, ils ont rejeté Dieu. Amen. Si les pasteurs aujourd'hui peuvent aller avec les veuves des pasteurs ou avec les femmes de l'église, c'est pas que non, c'est pas qu'ils les désirent. Ils ont rejeté le Créateur. C'est pourquoi j'insiste, si la colombe blanche rejette le Créateur, on va faire la pagaille. Ne soyez pas surpris que le pasteur est parti avec tout ça. Et vous, là où se parle, là, avec un monde où il prêche bien, il a les dents. C'est tout. Parce que vous êtes déjà fini. Envoyer une église comme ça, c'est une détermination. Amen. Dieu aime la purification. La colombe ne peut pas résider là où il y a le mauvais odeur. Et la colombe représente le Saint-Esprit. Mais comment tu es homosexuel, c'est ce que tu as dit. C'est pourquoi j'insiste sur montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Nous le prenons par la Bible, et nous prenons ça aussi par le prophète. Le prophète est l'interprétation de la Bible. Là où on ne comprend pas, nous éclaircir cela. Et le prédicateur que je suis, c'est pour élucider bien le prophète. Parce que quand un prophète te prêche, il faut que les gens l'interprètent. Moïse, quand il est venu, tu as dit quoi? Je t'ai fait Dieu. Et Aaron, ton prophète. Quand Moïse parle, Aaron est le prince de Moïse et parle au peuple. C'est tout ainsi. Quand Jérémie parlait, par où vous prenez, écrivez, disons au peuple. C'est pourquoi vous lisez les prophètes, on ne peut pas comprendre. Sinon, je ne vais pas voir les gens qui adorent Branham. C'est le même brochure. Ils trouvent ça ici dans les brochures. Amen. C'est qu'ils ne comprennent pas. Ou bien c'est nous qui ne comprenons pas. Et ils sont partis jusqu'au loin aujourd'hui, on appelait Branham un franc-maçon. Hier, quelqu'un qui maniait le message. Il a démontré dans toutes les dimensions. Prêtre Branham maçonnique. Le son de tête antichrist. Les mêmes gens qui ont adoré. C'est pas leur faute. Parce qu'ils ont pris Branham comme Dieu. Et ils ont adoré la créature. Dieu les livre à l'égarement. Ils ne savent pas que faire. C'est pourquoi, si la pour la divinité de Jésus, j'insiste sur le corps. Jésus est Dieu. Et c'est plus aujourd'hui Dieu. Non. Moi, je crois que Jésus est Dieu dans son corps. Amen. Tu es dans lui, oui. Mais le corps est Dieu. C'est pas que Dieu était, il était Dieu. Amen. Nous avons vu ça pendant 2 semaines. Parce qu'il faut qu'on puisse cerner. Les séducteurs. On peut voir toutes les bases. Si il vient à gauche, on attaque avec les éléments de gauche. C'est comme ça que le temps était surveillé. Il y avait 4 chérubins, 4 bannières. Quand il vient à l'est, amen. L'esprit du lion est là. Amen. Le lion est là. Et le lion, c'est la porte. Il te prend dans ce côté-là. Quand tu viens de l'autre côté au nord, le père aussi est là. Le pasteur est là. Tu viens là-bas, l'évangéliste est là. Tu viens là-bas, le docteur est là. Amen. On va dans toutes les sens. Attention que le temple était sécurisé. Et le temple là aujourd'hui, c'est la Bible. Le temple là aujourd'hui, c'est le message. Amen. Amen. Si dans les types, on va dans les types. Amen. Donc, dans toutes les formes, on va. Dans les représentations, on va. Pourquoi j'insiste sur cela? Là, je n'ai pas ici.
j'avais déjà, on avait déjà parlé ça. La Bible. Il dit quoi? Jésus, le fils. Non, je veux le prendre. Je pense que tu me vois de capter bien ce qu'il dit. Ok, maintenant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Ok, les mots qui ont un peu de temps. Vous avez un peu le fils est le reflet de sa voix. Moi, c'est l'empreinte de sa personne. Ah, l'empreinte. Amen. L'empreinte de sa personne. Qu'est-ce qu'une empreinte? C'est une marque. Ou une trace. Amen. Il laisse. Il signe que quelque chose est déjà. Il dit que il y a plusieurs empreintes. On a des empreintes digitales. Pourquoi on fait des empreintes digitales? C'est pour identifier chaque personne. Amen. Et la science nous dit qu'il n'y a pas deux empreintes digitales semblables. Amen. Et on fait les empreintes pour savoir la personne dont il s'agit. Et la Bible dit que Jésus elle emprunte la personne de Dieu. Et l'empreinte, c'est un doigt. Donc l'index de Dieu, c'est Jésus. Donc, ça veut dire, vous pouvez chercher Jésus. C'est parti de l'empreinte là. Vous tous venez, venez, on va voir. Oh, c'est toi. Amen. Aujourd'hui ici, si on ramasse la carte d'identité de quelqu'un, il y a une empreinte qui est là. Si c'est un voleur, la police va seulement sinon pour chercher à qui va correspondre cette empreinte. Et à partir de l'empreinte, on vous trouve que c'est vous qui avez vous. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'il y a aussi l'empreinte vocale. Amen. C'est une image qu'on prend pour nous permettre d'identifier également une personne. Amen. Alors nous voyons, quel que soit, tout à l'heure, Frère Carmen a chanté la musicothérapie. Il a chanté comme fait Odilon. Mais c'est différent. Il ne pourra jamais chanter comme Odilon. En fait, ça, c'est le faux. Il ne chantera pas comme Odilon. Parce que les nez sont différents. La gorge sont différents. La laine là, c'est différent. Et lorsqu'il donne une voix, chacun est différent. Maintenant, la voix de Jésus, c'est la voix de la personne de Dieu. Le vocal, c'est la voix de Jésus. Amen. Même le son. Amen. Tu peux être là-bas, j'ai senti ça, c'est Carmel qui chante. Ça, c'est pas Odilon. Le son, avec le son. Mais peut-être c'est pareil. Mais le son, différent de chacun. Amen. Et à partir de l'appareil, spectrographique, on prend cet appareil, on peut mettre le voix, dire que c'est toi. C'est toi qui as parlé. Quand on va prendre ça, on veut que c'est toi. Ça, c'est l'empreinte vocale. Et il y a les empreintes génétiques. C'est aussi un métier.
l'implantation, un individu a parti de l'anus de ses chromosomes. Pour confirmer, pour informer, des soupçons sur quelqu'un ou sur un auteur. À partir de l'ADN. Ici, on peut dire que quelqu'un qui a volé là-bas, on a pris ses acides, on a suturé. Là, on dit que non, parmi ici, il y a un de ses familles. Ah bah, vous faites un test de ADN, nous tous ici. On dira que toi, tu es familier avec cet homme. Même cet homme-là avait 150 ans. On va te retrouver à partir de l'ADN. Toi, tu fais partie de la famille. Alors, les génétiques de Jésus, c'est les génétiques de Dieu. Moi, je ne comprends pas. On a dit, ce sont les grands intellectuels qui lisent ça. Le problème, c'est que Jésus avait dit, sortez les Écritures. On doit étudier la Bible. On doit étudier tout le vocabulaire là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la Bible. Amen. Il est l'empreinte. Amen. Personne ne peut imiter quelqu'un. Amen. Celui qui imite n'est pas originel. Amen. Si vous pouvez chanter, chantez avec votre voix. Sinon, si vous allez dans un concert où il y a un prix, tu ne peux. Tu es du sang souvent à frère d'ailleurs. Frère Gaël chante comme du foco. Amen. Amen. Il chante comme ça, chante comme lui. Mais vous saurez que ce n'est pas du foco qui chante. Je l'ai dit, tu as un don, mais tu imites le vocal. Ça ne tiendra pas. Tu dois avoir ta propre vocal. Amen. En Europe, quand tu fais comme ça, tu dois payer les droits d'auteur. Pour imiter quelqu'un. Donc je ne peux pas imiter quelqu'un. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. La Bible interprète bien. Amen. Et il dit dans Timothée, il dit sans contradiction. Dieu a été manifesté en chair. Vu des anges, prêché aux nations, élevé à la gloire. On ne croit pas. Alors, ça veut dire que ce sont des mystères. C'était seulement simple comme un roman. Pour les gens devaient comprendre que Jésus est Dieu. Mais ici, c'est que les gens font de Jésus notre personne. Or, si c'est Dieu qui était en Jésus, c'est que ce grand Jésus, parce que même Dieu l'a même été en quelqu'un d'autre. Et c'est là où nous avons vu, vendredi, on peut revenir là, sous les doctrines, sous cette divinité qu'on appelle l'incarnation et la réincarnation. Amen. La réincarnation et l'incarnation. Vamos salvar. Est-ce que tu peux? Nous avons dit, nous avons dit par le prophète, que beaucoup de religions, croient, on dit dans les funérailles de Carnette, j'ai fait 7 fois le tour du monde par la foi, et Jésus est la meilleure des religions. Et il a vu plusieurs religions qui croient à la réincarnation. C'est le fait de l'action
d'une personne qui quitte un corps pour entrer dans un autre corps. Les Indiens croient, même les Congolais, les traditionnels, les Mbunza, les catholiques, quand tu meurs, c'est un méchant qui sera, il va être comme une fourmi. Ou une mouche. La région de Djaïs, de Djans, il ne tue pas les mouches, ni les fourmis, ils ont peur de tuer leur grand-père. Amen. Ils croient cela. Quand même dit que le christianisme est opposé à la réincarnation. Donc, la première fois, est-ce que l'incarnisme croit à partir de Luc 1, 17, lorsque l'Esprit est venu dans Jean? Alors, ça, c'est l'incarnation. Parce que Élie et Élisée étaient deux personnes différentes. Ils ont marché ensemble. L'autre est parti. Et l'autre, l'Esprit est rentré. Alors, celui qui est parti, c'est qui? C'est un esprit. Les autres peuvent venir. Le problème va disparaître. C'est que Élie, c'est l'esprit de Dieu qui était dans Élie. C'est le même esprit qui est venu dans Élisée. Avant Élisée aimait la ville. Quand l'esprit est venu, ça l'a mené à être un broussard. Parce que l'esprit aime seulement la forêt. Et il commençait à haïr les femmes immorales. Et plus tard, l'esprit est venu dans Jean-Baptiste. Et je ne sais pas tout ça, la forêt. Ça, c'est l'action d'un esprit qui prend un corps. C'est là l'incarnation. Mais la réincarnation, c'est un corps qui quitte notre, qui va dans notre corps. Ça, c'est le traditionnel, le paganisme qui croit. Et vous remarquez même Satan pour faire croire. Il donne même des preuves. On a déjà vu quelqu'un qui est mort dans un cercueil, on soulève pour aller enterrer, il bouge à l'intérieur. Il est réveillé. On ouvre, c'est un antilope qui court. La réincarnation. C'est ça la réincarnation. À partir de ça, tu vas au village. Tu ne peux pas les convaincre. Amen. Un enfant meurt. Il vient de mourir un bébé. 3 mois après, tu as la grossesse. Le même bébé naît encore. Ah, c'est faux. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un meurt, ce qui reste, c'est le jugement. Il va aller là-bas. Et au ciel, il n'y a pas de bébé. Ce bébé qui est mort, il est grand là-bas. L'esprit n'est pas enfant. L'esprit ne grandit pas. C'est le corps qui grandit. Amen. Ça, on ne croit pas. Donc, ça, c'est un peu ça, les génétiques. Les chromosomes semblables reviennent. C'était tellement juste à prendre, ça revient encore. Amen. Mais nous avons vu la différence. Si on ne croit pas la réincarnation, Jésus n'est pas Dieu. C'est là où Frère dit, Jésus, c'est la réincarnation de Elohim. Amen. Amen. Si tu peux revenir. Pour mettre une conclusion à ce que nous avons fait, c'est pour ceux qui n'étaient pas ici. Si on démarre, l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Page 10.
frère, dit, c'était le dernier message avant que Sodome et Gomorrhe commencent. Vous gagnez le temps, moi je sors. C'était le dernier message avant que Sodome et Gomorrhe commencent. Frère, si vous entendez ça ce soir, c'est maintenant le dernier message avant que le monde brûle. Voyez-vous la nature de l'ange qui était cet ange. C'était Dieu. Rappelez-vous, Abraham l'appela Seigneur. Et la tradition là, c'est Elohim. Le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. C'est le même corps. Alors ils disent, aujourd'hui aussi, c'est Jésus-là qui doit être là. Il a promis. Comme il était à peuple aujourd'hui, ce sera comme. Quand il était à Abraham, c'était la réincarnation. Parce que Metzenek était encore, il est dans un autre corps. Corps terrestre. Maintenant, ici, est-ce que c'est la réincarnation ou c'est l'incarnation? Vous avez dit que l'incarnation, c'est parce que d'un esprit qui prend un corps. Et la réincarnation, c'est l'action de prendre un nouveau corps. Un corps qui prend un nouveau corps. Comme ce corps-là, ce homme-là qui est mort, il sort un chirantino. Dans la réincarnation. Satan aime faire des preuves. Maintenant, nous sommes partis de la page 11. Il dit, pensez-y au milieu de nous maintenant, se tient ce même ange de Dieu, qui n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ce soir, ce même ange est ici. Face à Branham. Là, si vous ne lisez pas bien, là il s'arrête là. Est-ce que c'est Branham ou il est à côté? Puisque Branham se tourne le dos. Voilà là-bas. Là-bas aussi, il a tourné le dos. Pourquoi ça arrive? Branham se dit, il a dit, c'est pas vous tourner le dos. Oh, c'est Branham. Branham est clair. C'est le même ange de Dieu qui n'est personne que le Seigneur Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit. C'est au milieu de nous. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Sous forme d'esprit, et c'est un esprit qui s'incarne en Branham. Et c'est Jésus qui s'est incarné. C'est la petite activité de Branham. Est-ce que je dois l'adorer? Non. Parce que je dois adorer ce qui est l'intérieur. Je ne le vois pas. Ce qu'on ne voit pas, on adore par parole. Je crois ce qu'il dit. J'adore ce que Branham dit. Mais j'adore pas son corps. Ces erreurs-là, ça m'importe peu. Les erreurs problèmes, je m'importe peu. Mais Jésus réincarné est le corps et l'intérieur. Amen. Amen. Nous avons lu ça aussi ici. Élie est le fond de farine. Élie a fait na matabisi la farine. Pour construire. Na ko ni sa ina met mekwi sa zonza. Voilà. Ici, c'est pas quand j'avais dit sur nous, les brochures, même si vous lisez les brochures, oh, maman, vous ne comprenez pas. Même Brian Tabram ne comprenait pas. Il fallait que Neville revienne pour éclaircir. Un prophète, c'est, il représente Dieu. Ce que Dieu dit, c'est pas clair. Il faut que les serviteurs, proche de lui, interprètent. Il dit, regardez ici. Nous avons lu ça. Pas de il dit, nous remarquons Jérusalem. Nous voyons que les Juifs ont été avec nous à cause de nous. Des figures bourgeoises.
Il dit, et les autres arbres. Billy Graham a produit un réveil parmi les gens de l'illumination. Robert a produit un réveil parmi les pentecôtistes. Maintenant ici. Là où le fait, on ne comprend pas les jeux de mots. Ce n'est pas des jeux de mots. C'est des attributs. Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ce reste afin de tirer les gens pour la pierre fêtière, afin de ramener le Fils de Dieu et d'achever la chose pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est venu. C'est-à-dire, le Fils de Dieu est une fonction dans laquelle il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est venu pour ramener le Fils de Dieu en recevant le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus, c'est dans son état physique. C'est la seconde venue. Amen. Et continue. Il a dit, comme il était au temps de Sodome, l'ancien est même la venue du Fils de l'homme. Je vous tournerai le dos afin que vous voyez. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas l'homme. L'homme qui était là était seulement du calcium, de la potasse, du pétrole. Elohim avait un corps comme nous. C'est seulement de la terre de Dieu Allah. Il rassembla par son souffle pour y entrer ensuite. Chez Elohim, il est venu à Abraham. Il a pris son souffle, il a produit un corps. Vous savez, ce corps-là est composé de 16 éléments de la terre. Et dans ce corps-là, il est composé de nerfs, de cellules et du sang. Un point et tout. Mais son esprit était Dieu. Son âme était la nature de Dieu. Et nous avons lu dans Israël dans l'Égypte que son âme est descendue en enfer et est revenue sous la forme du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Il n'avait pas un esprit humain. Il ne peut pas penser au sexe. Amen. Amen. Mais le corps là, il peut sentir. Mais il terminait cela. Alors il dit, c'est seulement la terre que Dieu a là. Il souffre par son souffle pour y entrer ensuite. Et il vive. Jésus-Christ était la même chose. Donc Elohim est descendu. Le grand Gabriel. Nous avons lu dans le message Exodus chapitre 3. Partie 3. Que le grand Gabriel était le Saint-Esprit. Je le Saint-Esprit descend. Et il forme le corps dans le corps de Marie. Et le corps a commencé à grandir là. Et dans le bébé, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Et lorsque le bébé est sorti, il y a beaucoup d'esprits qui attendent à la maternité. Ils sont là pour attendre. Celui que vous attendez, vous connaissez sa face. Mais les esprits sont attendus. Tout le monde attendait. Dès que le corps est sorti, Elohim, il s'incarne. Là, c'est l'incarnation. Jésus est incarné. Le Saint-Esprit est incarné dans le corps. Amen. Mais comme le Saint-Esprit là est un corps, il rentre dans un corps, c'est la réincarnation. Il dit la même chose. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme. Son esprit était Dieu. Et puis, il a promis dans le dernier jour, il est venu dans son église, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, quand je serai avec vous. Comment?
C'est pas le Saint-Esprit. Si tu te serres avec vous, c'est le Saint-Esprit. Non, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Mais tu dis qu'ils parlent du Saint-Impur. De l'Esprit impur. Amen. Ou de l'Antichrist. Mais le Saint-Esprit a un nom. C'est comme un humain. C'est pas un nom. Je suis un humain, c'est pas mon nom. Mais c'est un nom qui est attribué à mon humain. Et tu es un humain, il a un nom attribué à cet humain, c'est Jésus. Et tout esprit a une forme. Tout esprit a un nom. En l'enfer, tous les démons ont des noms. En ciel, tous les anges ont des noms. Mais le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus. Amen. 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 Nous pouvons encore ajouter ce que nous avons dit. Est-ce que vous pouvez dans les actes qui sont en prison maintenant? On est dans la page 24. Tu as même colonne de feu que Saint Paul vit. C'est la même. Et tout cela s'est reproduit. Et il y a la même nature en soi. Et accomplissant la même chose. Jésus a déclaré qu'il ne faisait rien avant que le Père ne lui montre. Et le Père et le Saint-Esprit. Nous savons cela. C'est simplement un office de Dieu. Ah, si ce n'est pas le cas, alors lequel de Dieu est le Père de Jésus-Christ? Jésus dit que Dieu était son Père. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de lui un enfant illégitime. Si vous dites que le Père, ce n'est pas Jésus, vous faites de Jésus un bâtard. Et c'est un blasphème. Si vous dites que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, vous êtes aussi idolâtre. Il continue. Ainsi, le Saint-Esprit est Dieu. De même, Jésus est Dieu. Ainsi, s'il n'y a pas de Dieu. Donc, ainsi, dit, je le Père, je le Fils, je le Saint-Esprit. Ce sont trois offices d'un seul Dieu. Ce sont trois attributs. Le même Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Et moi, prenant, je suis une partie de Dieu. Ça, c'est moi qui éclaircis. Et je suis une partie de Dieu. Parce que les autres peuvent croire que c'est moi qui parle. Non. Mais je ne suis pas tout Dieu. Quand on accepte qu'il est Dieu, Moïse était Dieu. Parce que quand Dieu vient en fait, devient Dieu. Mais tu n'es pas tout Dieu. Et vous non plus. Voyez-vous? Ce sont les attributs de Dieu en nous. En tant que fils adopté par Jésus-Christ. Lequel est Dieu lui-même devenu chair. Afin de mourir pour moi, Abraham. Amen. Mais on ne comprend pas. Nous allons essayer de comprendre pas. Jésus avait dit, Paul a dit, le ministère de l'iniquité agit déjà. Encore, même s'il y a un homme qui croit. Quel est cet homme qui peut faire encore? C'est un enfant bâtard. C'est le fils du diable. Il sait que même si je crois ça, je n'irai pas au ciel. Non, il ne peut pas aussi. Parce que la nature d'un fils de Dieu, d'un fils du diable, il ne peut pas trouver ça au ciel. Le cochon
Ngulu. Vous ne pouvez pas nous défendre sans bourrer dans la boue. Oui, il a raison. Le frère Clément n'est pas là. Toujours n'est pas là quand je le demande. Amen. Le cochon, Ngulu, sa graisse là, quand le soleil frappe, sa graisse est liquifiée. Ça se dissout, il va mourir. Donc il faut un peu de la boue pour se protéger contre les rayons du soleil. Qu'est-ce que les rayons du soleil? Le feu du Saint-Esprit ne peut pas supporter ça. Ils ont raison. C'est là la vérité. Et nous allons voir ça dans la parole. Amen. Nous allons voir ça dans la parole. Ils savent que Branham n'est pas Dieu. Mais encore. Les enfants de l'iniquité. Amen. Satan lui-même. Il descend. Si tu es le fils de Dieu. Si. Il y a un doute. Tu dis ou bien tu n'es pas. Ou tu es, mais si. Tu as un doute. Si tu es le fils de Dieu. Il y croit même encore. Il faut nous savoir. Même si, même, c'est comme un fils. Même si quelqu'un est papa. Il sait qu'on ne peut pas taper papa. Mais même si quelqu'un est papa, c'est l'iniquité, encore. Amen. C'est le fils de Dieu. Il parle de Dieu. Il a dit que quand on a fait, il va transposer ces pierres-là. Ces pierres-là en pain. C'est la culture même de Dieu. Est-ce que Dieu, Jésus a répondu à cette culture? Non. Vous ne pouvez pas répondre à Satan. Vous avez des miracles guéris. Tu es titan de Dieu. Il a dit à Satan. Il est écrit aussi. Ce n'est pas le foufou. Ce n'est pas le pain de manioc. Ce n'est pas les bananes. Ce n'est pas l'argent. Mais la parole totale dans la moi. C'est ça qui nourrit l'homme. Il est encore parti. Quand il a dit, il va être en bas là-bas. Il va t'emporter. Alors il a regardé. Satan, ne t'attendra pas Dieu ton Dieu. Et la Bible dit, quand il faisait ça, les démons étaient, tout l'enfer était là, tous les anges étaient là, entre deux qui va gagner. C'est comme Goliath et David. Quand David avait Goliath, tous les Philistins derrière, tous les Israélites derrière, qui va gagner. Fanam dit, chaque Israélite pouvait tuer un Philistin. Parce que la révélation, la divinité est révélée. Amen. Écoutez la Bible, Matthieu chapitre 4. La guerre là, c'était comme ça. Le verset 10. Jésus lui dit, ne dis-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et nous dit que je suis le Seigneur. Et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vers auprès de Jésus pour le servir. Ils ont gagné la bataille depuis ce jour-là. Amen. Satan connaît. Jésus voit ces gens. Fils de Dieu, fils de Dieu. Quand tu es venu nous troubler, ce n'est pas le temps. Pendant que c'était 2000 démons. Ils ont reconnu. Et s'ils l'ont servi. Permets seulement. Vous allez dans les cochons là. Toujours dans les cochons. Les cochons les rétrogrades. Les déchus qui ne supportent pas la parole. Tous les démons que nous cherchons pour partir là-bas. Les rétrogrades. Les gens vont rester la parole. Pierre le dit.
quelqu'un abandonne, le proverbe véridique est classé comme une pluie. Une pluie, c'est la femelle du cochon. Qui s'est voté dans la boue. Je crois qu'il faut que je lise. Il ne soit pas dans le cochon. On va le servir, Jésus. Un Pierre chapitre 2. En effet, verset 20. En effet, si après s'être retiré les cieux du monde, par la puissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et si ça n'a de nouveau, se sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car il ne fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Si le chien vomit, c'est que la nourriture là, la cause de la maladie. Quelqu'un qui t'a causé la maladie, tu vomis, tu prends encore, c'est-à-dire que tu deviens là comme ça. Et là où il devient du kouja. Donc ce sont des kouja. Amen. Les gens qui ont un problème, c'est des kouja. Voilà, ils sont des. Un seul, il couche, on ne s'approche pas de lui, on fuit. Parce que si t'es mort, tu vas mourir. Il faut fuir là. Amen. Et il continue. Et la truie lavée, la truie, c'est voté dans le bourbier. Amen. Ce sont ces cochons. Et les démons de légion. Légion était quelqu'un qui ne connaissait pas son Dieu. Mais quand il a vu Dieu face à face, le Dieu a chassé ces démons. Et ces démons sont partis dans le cochon. Ce sont les ceux qui ont rejeté Dieu. Et ils ont. Maintenant, le cochon a fait quoi? Ils sont partis dans la mer, vous. La mer, c'est le monde. Et pourquoi vous allez entendre beaucoup de dégâts? Vous dites ça, maintenant dites ça. Madame dit, quand Dieu a brisé le sceau, il n'y a plus de secret. Si Dieu qui gardait le secret, il a tout ouvert. Qui peut cacher un secret? Tout ce que les pasteurs font, les églises, ça sera ouvert. Et moi j'ai pris que ça soit ouvert. Ça soit écrit dans les médias, dans les journaux. Moi aussi je vais critiquer. Amen. C'est l'âge que nous sommes, c'est l'âge ouvert. L'âge de la porte ouverte. Dieu est nu. Satan aussi est nu maintenant. Les mauvaises choses sont nues aussi. La vérité aussi est nue. Chacun va suivre son chemin. Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé. Amen. Maintenant nous voyons ici. Cette iniquité là. Même Satan. Amen. A cherché de tuer l'adam. Amen. Amen. Et ses fils feront la même chose. Amen. Quand Paul est venu, ils ont vu des choses dont ils n'ont pas d'adore. On a dit, on va adorer Paul. On dit, on va adorer Paul. Paul dit, on va adorer Paul. Amen. Amen. Il est prophète. Les gens voulaient adorer Paul. Baba, tu vas dire que ça n'est pas au lit. Ah, le
travers cette ambiguïté. Le vieux Paul a dit. Le vieux Paul a dit. Je crains une chose. C'est que vous essayez de m'adorer moi au lieu des choses que je prêche. On adore le message. On adore pas le messager. Parce qu'on message. Il y a quelqu'un qui s'en fout à Mikoudi. Je viens préparer, je m'amène à la table. Et c'est le patron du restaurant qui achète ta nourriture. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici. Voyons ici que Jésus, le même Dieu qui apparaissait, lui Jésus. Et le code qu'il a apporté, c'est le même code qu'il a apporté à Abraham. Nous avons dit ici, parce que d'autres vous parleront que le corps d'Elohim était mort, non. Le corps a s'est volatilisé. C'est une vaporisation. Amen. C'est une vaporisation. C'est comme l'eau liquide qu'on va bouillir et ça va dans les flammes. Et quand ça n'est pas le flammant, ça reprend quelle forme? Ça devient le feu. La lumière. C'est dans la fonction du Père qu'il a. La fonction du Père, il a marché sur la croix. Et quand il est venu à Jésus, il a crié ce même corps. Amen. Mais son esprit est pour son. Nous avons un esprit. Lui n'a pas un esprit. Amen. Et nous avons dit ici. Après qu'il est mort. Le corps était dans la tombe. N'est-ce pas? Mais quand la Bible dit qu'il est descendu au séjour des morts, il a vu qu'il est qui là-bas? 1 Pierre chapitre 3. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair. Et rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la présence de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, oui, du fil sauvage dans la mort. Pendant que le corps était dans la poussière, Jésus est parti avec quel corps? Amen. Son âme est partie. L'âme est une théophane. Et quand il va là-bas, il va voir les gens qui ont vécu dans la Genèse. Les gens qui ont vu au temps de Noé. Au temps de Noé, ils étaient là-bas. Et il est parti faire quoi? Rencontrer le patron de ce jour de mort. Celui qui avait acheté les enfants de Dieu. Et lui, il est parti pour racheter. Parce qu'avant la mort de Jésus, il n'y avait pas la rédemption. La rédemption est venue à la mort du rédempteur. Amen. Et il est parti là-bas. Amen. Et ici, Branham donne l'interprétation. L'illustration de ce qui s'est passé là. Comme Moïse nous donne l'illustration de ce qui s'est passé à la Genèse. Personne n'était là-bas. Personne n'avait écrit. Mais 2000 ans plus tard, Moïse répare la Genèse. Et nous écrit.
Et aujourd'hui, Abraham reparte là-bas. Et nous donne la scène quand Jésus est parti. Amen. Amen. Disons. J'ai déjà lu ça, je lis encore. Les puissants conquérants. Mon nom du 10 janvier 58. 10 janvier 1958. Amen. Amen. Je peux l'entendre dire. Satan. Je suis le fils de Dieu. Né d'une vierge. En sang et encore uni sur la croix. J'ai satisfait à toutes mes exigences. Justifié pour la race déchue d'Adam. Pas du troisième année. Et je suis venu ici pour conquérir et pour prendre le pouvoir. Si vous me dites amen. Il a tendu la main vers le diable. Il a, ça, c'est la scène qui nous raconte. Vous devez croire le prophète. Peut-être que je vais prendre le prophète pour voir qu'est-ce qu'il est. Arracher les clés. De la mort. La mort avait le Dieu. C'est Satan qui a la mort. Il a fait la croix. Dans le cas, Satan dit il te tue. Non, il n'a pas. Il ne peut pas. Satan vient, oh, je vais le tuer. Non. Dis que Satan, tu ne peux pas me tuer. Tu veux la tuer pour au moins que Jésus le dit. Et Jésus, pour permettre, il faut qu'il négocie avec moi. Oui. La mort doit négocier avec celui qui va mourir. Avec quand tu ouvres une porte, la mort rentre. Quand tu es grave malade, tu es dans les critiques de la maladie. Quand tu ouvres la porte, la peur, la mort rentre. Si tu fermes avec la foi, il ne peut pas rentrer. Et il a pris le séjour de mort. Parce que toute personne qui mourait, il meurt pécheur. Le corps va l'attendre. Il a au séjour de mort. Il y a une compassion qu'on appelait le séjour des condamnés. Si tu es un sang aussi, dans un bâtiment, là où il y avait le juste. Et Enoch était là-bas, et tous ces gens. Personne n'est monté au ciel. Parce qu'il fallait les clés. On a ouvert les clés. Et la porte était fermée par les chérubins. Il a arraché. Il les a accrochés à son côté. Et d'un coup de pied, il a donné un coup de pied savate. Il a renvoyé sa place. Dans la Bible, il est tombé dans le trou. Et il est toujours puissant conquérant. Il a repris le chemin vers la terre. Avec la victoire sur la mort et le séjour de mort. Pour vaincre le temps. Il y avait une brume de péché qui planait dessus. Il ne pouvait pas la monter, sauf lui qui était descendu. Maintenant, regardez, il descend maintenant là. Si il s'avance vers la porte. Il a pris la clé. C'est comme une prison. Il est parti ouvrir dans le compartiment là où était l'éternel. Il rentre. Là, il pensait que c'était Satan qui rentre. Le monde est là. Mon Dieu est là. Là, ici, il ouvre la porte des cadavres, il avait condamné. Là, il rentre là-bas. Oh, Seigneur, pardon. On peut vous l'envoyer. Blasphème contre le Saint-Esprit par un partenaire. Vous avez rejeté Noé. Adam, ainsi de suite, condamné. Ils étaient condamnés. La parole les a damnés. Un condamné, on peut le juger. Mais un damné, on peut le juger.
Il sort là jusqu'aujourd'hui en train de l'enfer. Alors il s'abatte dans la porte. Mais là il dit, il frappe doucement. Avec respect, passez avec les joyeux qui étaient là-bas. Père Abraham ouvre la porte. Et il est resté là ébloui. Et il a dit, Sarah, viens ici juste un instant. N'est-ce pas la même personne pour qui tu avais fait un cadeau? Ici, Jésus, le corps est là-bas. Celui qui a fait le gâteau, celui auquel Sarah fait le gâteau, était dans le corps physique, Elohim. Mais Abraham dit, Sarah, c'est un homme là. Mais le corps est là-bas. Mais quand la terre a fait un homme, et l'image de son corps physique. Amen. Amen. Il croit ça. Mais là encore, c'est le fils du diable. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas. Mais là encore, le fils de Dieu. Il dit, n'est-ce pas la même personne qui t'avait fait des gâteaux? N'est-ce pas celui qui était assis sur le sein de ma mère ce jour-là? Mais le corps, il n'est pas dans le corps. Mais il a la même image du corps-là. Oh, Elohim, Abraham, c'était l'autre. Ils sont deux personnes. Mais qui de deux que Abraham a reconnu, c'est lui. Sarah a dit, c'est celui qui avait les deux tournés vers la tente. Jusqu'au ciel de mort. Amen. Il est descendu. Il a mis le troisième poule. Le troisième poule ne viendra. Ceux qui prennent le troisième poule, c'est avec les païens. Le troisième poule, c'est pour la confirmation de ceux qui ont soutenu le message. Le troisième poule de Jésus, c'était là-bas aussi. Confirmation. Vous savez qui est Abraham, voilà je confirme. Vous savez qui est Noé, je confirme. Voilà qui est, je confirme. Vous êtes confirmé. Et vous allez maintenant monter. Au troisième pôle. Vous savez, mais ça vient de piquer. D'abord, c'est la peine à piquer aussi. Les autres sont devenus francs-maçons. Troisième pôle. Parce qu'on ne peut pas pleurer. Si Dieu ne t'a pas donné la commission, laisse. Ce n'est pas un problème de savoir. C'est un problème de destin de Dieu. Quand Dieu a destiné quelque chose, il prendra soin de cette chose. Il amènera cette chose à sa destination. Si tu avais destiné, tu vas aux États-Unis, quelque chose ce qu'on peut faire, tu vas partir. Amen. Amen. Alors il descend. Alors que le mot. Il dit. Sarah a dit que. Et qui avait déjà pensé alors que je riais de ce qu'il avait. Alors je dis, il a dit, mes enfants, je suis venu vous prendre maintenant. Le troisième poule viendra pour vous prendre. Mais Dieu dit que vous avez le troisième poule, c'est le péché. Le troisième poule. Amen. Je suis venu vous parler maintenant. J'ai compris cette chose horrible appelée le péché. Juste à ce moment-là, juste au-dessus de son épaule, l'épaule d'Abraham, par où Sarah regardait, je peux voir une autre tête bouger. Peut-être un homme apparemment âgé. Il a regardé par-dessus le pont d'Abraham et lui était si ébloui. Amen. Daniel.
Il vient. C'était le prophète Daniel. Il a dit, c'est cette pierre que j'avais vu se détacher la montagne sans le secours d'une main et qui avait détruit le royaume du monde. Daniel a vu une pierre, la fin du monde, qui va détruire le monde entier et qui sera un royaume. La Bible parle de la pierre. La pierre n'a pas vu. Pierre n'a pas vu le monde. La pierre devient un homme. Le royaume devient un homme. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient un homme. Il a dit, oh la pierre. Mais là, il a mis sur la pierre. Cette pierre est jeune. Daniel était content. Daniel était ébloui. Oh, ma télé, je l'ai vu. Oh, mais qu'est-ce que Gabriel avait dit à Daniel? Couche-toi. Les nombreuses années, tu te relèveras et tu verras ce somme. Cela a été accompli. Amen. Alors, quelqu'un vient en courant. Qu'est-ce? C'est le prophète Ézéchiel. Il regarda par-dessus le pas du prophète. Il dit, alors qu'il se tenait là ébloui, voilà la roue dans la roue. Oh, mais la roue devient un homme. La roue dans la roue, et j'avais vu tourner là en l'air. Cette roue avait la face du lion, avait la face d'un homme, avait la face du père. Amen. Avait la face de l'aigle. La roue dans la roue. C'est lui le pasteur, c'est lui le docteur, c'est lui l'apôtre, c'est lui le prophète, c'est lui l'évangéliste. Amen. C'est Jésus le puissant. Quand un évangéliste, même s'il est puissant, dès qu'il regarde Jésus, il va vendre la cocaïne. Mais on avait vu quelqu'un qui était venu ici. Il a fait des miracles au stade. Renard Banquet. Amen. Donc il a commencé à rejeter. Il est devenu un vendeur d'alcool. De cocaïne. Le don est perdu. On doit respecter la divinité. Je ne battrai jamais sa gloire avec un homme. Il te donne un don, tu pleures avec ça, il te abandonne. Chacun le voyait sous la forme dans laquelle il avait pression. Amen. Quand je dis qu'on est fait, ce qu'on est fait un jour, c'est Jésus, moi, que je veux. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Nous voyons dans la forme du Saint-Esprit. Et pour les voir, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire dans votre vie. Et vous reconnaîtrez que c'est. Et ça va se confirmer avec la parole. Amen. Quand sera-t-il quand nous le verrons comme le rose de Saron? Rose de Saron, l'Israël vallée, le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Quel sera-t-il l'alpha et l'oméga? Le commencement de la fin, la racine et ceux de David. Le droit de l'an du matin. Alors? Il a dissipé le pouvoir de l'enfer. Et par les d'autres jusqu'à faire une percée dans les cieux que les enfants perdus d'Adam. Vous pouvez prier jusqu'à 20. Il a conquis les atmosphères, il a conquis le péché, il a conquis la mort, il a conquis l'enfer. Il est resté triomphant. Il est allé au-delà de la lune, des étoiles, avec les saints de l'Ancien Testament. Oh, quel défi de victoire! Ça a dû être avec les véritables conquérants. Peu importe, ils ont vu cette glorieuse cité. Abraham dit à Sarah, viens ici, Dieu. Elle rejoint, Isaac vient ici.
Isaac dit Jacob vient ici. Donc Isaac tu vois que Jacob dit Jacob. Joseph vient ici. Jacob tu vois que Joseph puisse avoir. Il a appelé ses enfants. Et avant que nous partons, venez. Dès demain, tu vas avec nos fils. Tu nous vas avec un amen. Il est. Nous allons partir dans le ciel. Il n'y a pas le ciel. Sous la Branham, quel est-il? Amen. Branham, qu'est-ce que tu as? Amen. Amen. Tu as un village, tu vas dire alors au Congo. Le Kwilu n'est pas le Congo. Kwilu n'est pas le Congo. Tu es préfet, moi je suis le président du Congo. Non? Ça c'est le département. Branham a un département. Mais il n'a pas un royaume. Il n'a pas un ciel. Le ciel c'est Jésus. Branham n'est pas aussi au ciel. Il n'est pas encore monté là-bas. Il attend pour monter. Il a dit, voilà la ville que papa avait vue. Dont l'architecte et le constructeur, j'ai erré sur la terre à la recherche de cette cité à venir. Abraham toute sa vie a cessé la ville de Dieu, la cité de Dieu, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Maintenant je m'approche de ce portail, bien qu'il fût de grands hommes, il ne pouvait pas conquérir cela. Il en fallait que cette personne descende conquérir cela. Bien que Abraham eut conquis des difficultés, aussi Isaac, Jacob, Joseph, mais il y avait qu'un seul qui pouvait conquérir le péché, c'était lui le Seigneur Jésus. Après ils ont crié les tapas parce qu'à la gloire il n'y avait personne, le paradis il n'y avait personne. Les anges avec les épées, avec le feu. Donc c'est pas là pour descendre. Il faut qu'il le tue. Il faut le sang. Amen. Et qu'il y ait ouvrez porte éternelle. Ouvrez-nous portail éternel. Les anges. Là nous sommes dans Proverbe 24. Daniel, David dans son inspiration, il parle de ce qui s'est passé. Les anges, c'est qui le roi de Dieu? Même les anges ne savaient pas que Dieu était descendu. Aucun âge n'a vu la face de Dieu. Ils étaient là sans. Le palais est vide, ils criaient seulement. Ce n'était pas vide. Ils étaient autour de Dieu. Ils ne savaient pas où ils se trouvaient. Mais lesquels qui sont là? Les rois des rois vont faire son entrée. Et quand ils ont crié le son de la rédemption, les voiles étaient déchirées. Et les anges ont regagné les plus des épées. Et le roi est rentré avec tous les saints. Depuis Abel jusqu'à l'homme de la croix, le dernier est à la croix. Il va rester ici, je suis reparti. Il a quitté la gloire. Vers le matin, le soleil a brillé. L'ange puissant sous le feu a frappé la tombe. Il est dans le corps. Il est encore sorti. Amen. Il sort comme ça. Marie vient. Marie, ah Seigneur. Allez dire à mes disciples. Je l'ai passé dans Galilée. Ils sont partis. Quand ils sont partis, oh Jésus a ressuscité. Thomas, ah, moi je ne crois pas. Je crois mes mains. Quelqu'un à la porte. Allez, ouvre. Avant il ouvre, je rentre. Thomas. Seigneur. C'est son esprit. Thomas vient. Thomas vient. Ma touche. Oh. Tous ici. Si, bah,
Comment s'est agenouillé? Comment pour comment? Il a dit, Seigneur mon Dieu. Pour vous, bien vous nous. Amen. 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 Et c'est ce que William Branham dit. Mais comme tout prophète, Satan fait la maquiller. On est venu aussi à Frère Branham. Qu'on puisse l'adorer. Ça a commencé ici. Ça a commencé depuis William Branham. Nous allons lire. Dans son message, Apocalypse chapitre 5, première partie, intitulé Le serpent écrasé. Le problème, c'est aime la brochure. C'est ça qu'il lit. Il veut nous aveugler. Moi, nous, on lit ça. Page 5, paragraphe. C'est long, mais je commence à lever sur le thème de cas. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur. Les témoins clairs comme quoi, j'ai tenu bon, malgré toutes mes erreurs, et je les ai aimés de tout mon cœur. Ce matin, je l'aime de tout mon cœur. C'est pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère. Et on me prend pour Jésus-Christ. Quand les gens disent, oh Jésus, Jésus, non. J'ai prêché en révélation en 2000. Ils ne croient pas, ils n'adorent pas Branham là. Je prêche le premier jour. Deuxième jour. J'ai vu le pasteur, ça vous pouvez lire avec qui. Je vais tester quel est leur fondement. J'ai seulement dit, quand Gabriel annonçait la première venue, quand Gabriel annonçait la seconde venue, aussitôt, quand j'ai fini, comme je vivais chez la maison de Pasteur Sapoulou, le frère Aaron m'a amené une lettre. C'est écrit, Pasteur, je n'ai pas le courage de pouvoir t'aborder, mais je t'apprends que le Pasteur Sapoulou nous a enseigné. Même le frère, le frère, ne savait pas. C'est le Seigneur Jésus. Si tu veux bien te renseigner, il y a des prédicateurs dans l'église. Renseigne ça sur le frère Patrick. Frère Pat. Ou sur le frère Kevin. Aussitôt, j'ai changé de sujet. Alors, j'ai prêché l'année du jubilé. Donc, là, j'ai reçu l'évangile. Le dimanche, j'ai fait la ligne de prière. Et le frère qui avait écrit avait une hernie. Et il est venu dans la ligne de prière. Il s'appelle le frère Nana. Il est le huissier de Bill Branham. Il y a une police à Libondo, qui a même le sac, il passe même à la télé. Il y a une attaque en côté que le tapot à la télé. Alors, dès que je l'ai imposé la main, son hernie a déclenché. Et il sort ici comme guéri. Il y a une basse à la tête. Alors, une semaine après, il devient pasteur. Le mec, moi, ça m'a dit, tu vas voir. C'est moi qui ai avec lui. Et moi, Dieu m'a confondu.
J'avais des hérédits que je soignais. Mais dès que tu as prié, c'est parti. Donc, vraiment, pardon. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Déchire même la lettre. Amen. Je ne savais pas. Moi, Amen. Donc, quand on dit Jésus, Jésus, son nouveau nom, c'est William Branham. Ça, c'est ce que la plupart pensent. Il n'y a pas de Jésus, non. Si on vous dit troisième Adam, il ne croit pas Jésus. Si on dit troisième Elohim, il ne croit pas Jésus. Si on vous parle du troisième testament, il ne sait pas Jésus. Amen. Amen. Alors ici, j'ai été appelé Jésus-Christ, ainsi cela me donne l'étiquette infamante d'Antichrist. Il dit faire de lui Jésus-Christ, c'est l'Antichrist. Non. Je préférais le rencontrer comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme Antichrist. Pendant que je rencontre Jésus en tant que pécheur, en tant que soulard, en tant qu'adultère, qui est de faire que c'est moi Dieu. Et être rejeté loin de lui. J'ai entendu parler il y a quelques années. Et j'avais dit que c'était une plaisanterie. Il avait entendu. Hein. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. Ils ont fui. C'est comme si les démons les avaient fui. Quand ils n'avaient pas promis qu'ils vont faire ça, ils ont fui. Deux ou trois frères. Autrefois, lors d'une partie de pêche, ils m'ont abordé sur ce sujet. Demandant. Fais banane. N'êtes-vous pas le Messie ou le Christ? Et j'ai passé mes bras autour du cou de ces deux frères. Ou de tous. Et j'ai dit, frère, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterai alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille. Voilà, si ça m'arrive, je laisse prêcher. Moi, je l'ai dit ça. Les jours que j'ai changé ça, il faut me chasser l'église. Il faut me chasser. Même me taper même. Même avec les machettes. Parce que là, je peux aller au ciel. Mais si c'est comme ça. Et vous qui faites cela, vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps-là. Pour m'avoir fait quitter le champ missionnaire, je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. Non? J'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. L'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte. Ils avaient un problème de carte. Qu'ils gardaient en poche. Laquelle portait cette mention. William Branham est notre Seigneur. Il baptisa au nom de William Branham. Et un précieux frère. Si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et bien-aimé frère est venu comme ses péchés et ses fautes. Et me dire qu'il croit que Jésus-Christ, c'est pas le faux frère, c'est les vrais frères qui ont.
Et j'ai reçu l'aide à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago. Et de divers endroits pour me demander si je croyais ce dogme. Voir Branham, Dieu, c'est un dogme. C'est quelque chose qui ne sort pas de la Bible. Quelque chose qui ne sort pas de Dieu. C'est un enseignement satanique de l'abîme. Et j'ai reçu toutes sortes de lettres. Qui me sont parvenues ces quelques derniers jours. Et des appels provenant de divers endroits. Disant que j'étais le Christ. Frère. Au pluriel. C'est un mensonge horrible. Infâme. Les lesbiennes, les homosexuels, un pied du diable. Voyez-vous? Oh, Branham fait ça. Oh, Branham fait ça. Oh, oh. Mais donc, c'est ça qui fait que les gens disent que c'est un antichrist. Mais c'est un pas antichrist. Il dit, je suis votre frère. Frère, bien cela faire. Bien, Mbote. Cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Mais quand même, ils sont là en train de prêcher ça. On fait des conventions, vous aussi. Avec une convention. On fait un concert. Continuez comme ça. Vous allez avaler ça. Alors, les chansons, on chante que. Qui est frère Branham? Ça c'est quelque chose, ça c'est quel plaisant. J'ai des un chef. Ça c'est le chant impie. J'étais un chef, j'ai un chef. Il n'est pas chef. Il n'est pas chef du chef. Le chef du chef c'est Jésus. Amen. J'étais un chef. Et vous, vous écoutez cela, mais j'étais un chef. Écoutez bien. Je saute un peu, il y en a trop de choses. Je saute un peu. Au paragraphe 38. Amen. Amen. Satan aussi était impliqué dans cela. Et je me suis posé des questions. S'il s'agissait de mon ennemi, ce serait normal. Mais je m'en serais tout simplement moqué plutôt que j'aurais continué mon chemin. Mais quand ça doit être des précieux frères, des précieuses sœurs, alors ça, c'est cela qui me fait mal. Et j'ai dit, Seigneur, cette chose est trop forte pour moi. Je vais simplement devoir partir et remettre cela en tes mains. Et je ne sais quoi faire. Il y a quelques nuits, pour me rassurer, le Seigneur m'a visité. Et j'ai vu un bien-aimé asseler un serpent jaune et noir. Et pendant qu'il continuait à me parler, ils sont même rentrés dans la dimension de la sorcellerie pour injecter ça dans Branham. Mystiquement pour qu'il croit ça. Comme ce serpent-là qui vient sur toi ici. On va le couper la tête. Pendant qu'il continue à parler, la chose m'a mordu à la jambe. Mais mon sang était si riche que cela n'a pas eu d'effet sur moi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas croire à cette dogme. Mais mon sang était si riche. Et j'ai baissé les regards pour voir l'endroit où je venais d'être mordu. Alors je me suis vite détourné avec un fusil. J'ai tiré la chose et fui atteinte en plein milieu.
Puis un frère a dit, je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête. Alors il a dit, ne faites pas cela. Prenez simplement le bâton qui est là par terre, à côté de vous. Et comme je me retournais pour ramasser le bâton, il se glissa dans l'eau, juste dans une petite mare. J'ai dit bien. Maintenant, il ne saura plus faire du mal pendant plus longtemps. Parce que je crois que le frère se rend compte de ce qui est arrivé. J'ai dit, il est blessé à mort. Donc, il va mourir. C'est pourquoi il a tué le serpent écrasé. Il est blessé, mais il est encore là. Maintenant, dans tous les cas, c'est un esprit sur des précieuses personnes. Beaucoup de gens m'ont demandé cela. C'est un esprit. J'espère, malgré tout, qu'aujourd'hui cela reçoit une blessure mortelle. Et ça va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Entre temps, je vais demander à chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison est en vente. Il voulait pour nous partir, c'est trop. Je ne puis tout simplement pas supporter cela. Je reste ici vraiment. Si je reste, je vais devenir complètement fou. Je vous demande de prier pour moi. Et rappelez-vous, si jamais vous m'avez cru, si jamais vous croyez que je suis un serviteur de Christ, rappelez-vous que c'est une erreur. C'est faux. Et Fanam dit, la fin de la Odyssée sera une invention de l'erreur pouvant aboutir à une dissipation totale de la vérité. Et je vous dis, je ne crois pas que ceci, il y a cinq églises qui croient Jésus ici. Ça commence à disparaître. C'est une erreur. N'ayez rien à voir avec ça. Je suis votre frère. Amen. Amen. Maintenant, ça c'était le dimanche. Il a démontré ça le dimanche 11 juin. Lumingu. Maintenant, le dimanche prochain, Lumingu, quelques-uns sont venus se répandre. Ben, Apocalypse chapitre 5, deuxième page. Page 10. Frère Ben Brandt dit, tous ces zélés là ont vécu ça. Frère Ben était zélé. Il y avait une onction pour casser même les parents de la fenêtre. Il était dedans. Administrateur, le frère, qui on appelle, il vient de mourir même. C'était même le prophète de Pranamis. Pas Jackson, le frère Sofman. Qui était tout fort avec Branham. Il était là quand la nuit est venue. Lui aussi était dedans. Frère Ben Brandt dit, Frère Branham, excusez-moi une minute. S'il vous plaît. Oui, frère. Je n'étais pas ici dimanche dernier, mais pourquoi tu n'étais pas là? Et j'ai eu vent de ce dont vous avez parlé. Il y a quelques mois, j'ai été très dérangé à ce sujet. Je me suis senti conduit à venir vous en parler à vous et à Frère Neville.
Quand ça rentre, tu peux même pas t'approcher de ton pasteur. Tu fouilles. Mais j'ai aussi senti que vous devrez le savoir. Ma femme et moi, on avait fait un sujet de prière. Et ce matin, quand je suis entré au tabernacle, je ne savais pas ce qui était arrivé. Et l'un de ses précieux frères est venu vers moi ce matin pour me demander de lui pardonner. Et je pense que c'était une bonne chose. Et je pense que c'est une chose très louable de la part du frère. Oui, monsieur. Il m'a demandé de lui pardonner parce qu'il avait essayé de m'apporter cette doctrine. Donc celui qui était parti, il est parti demander pardon. Parce que Branham avait corrigé. Oui. Et je ne pouvais pas accepter cela ce matin. Il m'a demandé de lui pardonner. Et je l'ai fait au nom de Jésus. Amen. Merci, frère Benoît. Je suis content que vous ayez dit cela, frère Ben. Voyez-vous, parce que ces hommes ont été partout pour rétablir les choses. Ils sont partis corriger, frère. On aime ça, frère. C'est le diable, ainsi de suite. Là, ils ont fait ça. Ferguson, Sofman était là. Mais après le départ de Branham, il est revenu. Voyez-vous, c'est du vrai. Parce que les hommes ont été partout pour rétablir les choses. C'est du véritable christianisme. C'est le christianisme à l'œuvre. Quand vous avez tort, allez et admettez que vous avez tort. Levez-vous et dites, j'ai tort, frère, pardonnez-moi. C'était fini. Est-ce que c'était fini? Alors, frère Branham, à la fin, il annonce, c'est pas fini. Si le serpent était mort, mais il est seulement blessé. Quand un lion ou un serpent est blessé, devient méchant. Je lis d'abord dans l'autre jour présent du rocher. Ils avaient ça seulement, mais tu vois. Ah, il va mourir, on va continuer. Oh, l'autre jour présent du rocher. 23 juillet 1961. Mais il y a tellement de... Bon, 33, je commence au milieu de 33. Maintenant, il y a tellement de choses, ainsi tellement de personnes. Ce n'est pas seulement dans cette région-ci, mais c'est dans le monde entier. Ainsi, cela me déchire. Et cela me garde tout le temps sous tension jusqu'à ce que cela arrive à un point. Et c'est cela qui a fait que les frères commence la doctrine, c'est là laquelle j'étais le Seigneur Jésus incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait l'opprobre sur Christ, ainsi de suite. Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû le secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Et c'était du diable. Voyez-vous, ce sont des braves personnes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu immédiatement. Même ce matin, il y a des gens qui ont ces penchants-là. Si vous ne vous répandez pas, vous êtes le fils du diable. Voyez-vous, ainsi cela montre que c'était Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens.
Ce sont des gens pieux, des chrétiens. Et cela fait que beaucoup sont venus me dire, Babana, nous savons davantage confiance en vous maintenant. Et jamais auparavant. Parce que avec le don que Dieu m'a donné, aurais-je pu faire avec cela? Ferait tomber la nation à mes pieds. S'il avait cru à ça, il aurait une grande religion. Plus que ce que nous sommes. Il aurait une grande, religion. Avec cette fausseté. Parce que le monde aime la fausseté. Le monde n'aime pas la vérité. Allez là à l'église, là où des messages, là où il n'y a pas la vérité. C'est plein. Mais la vérité, c'est difficile pour avoir le nom. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Parce que le diable combat la vérité. Dieu ne combat pas la fausseté. Il les laisse avec leur fausseté. Mais le diable combat la vérité. Ce matin, pour venir dans cette église, il vous a fallu vaincre le diable. Sinon, vous n'êtes pas arrivé. Parce qu'il sait qu'il y a un sujet ici qui doit l'attaquer. Je vois même ça aussi, c'est vide aujourd'hui. C'est parce que le diable est à nu. Ouais, c'est ça. Mais si c'était seulement des choses superficielles, oh, on devait être, même les païens devaient venir. Mais Satan combat. N'écoutez pas ça. Amen. Amen. Continuez à lire. Maintenant, frère Bana, Jésus pourrait-il vous ressembler? Vous serez-vous Jésus? Ou quelque chose comme cela? Dans un sens, du mot, c'est l'exacte vérité. Dans l'autre, c'est Antichrist. Voilà la différence entre le juste et le faux. Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ serait Antichrist. Voyez-vous, quand cette personne-là du Seigneur Jésus est assise à la droite de la majesté dans le lieu très haut, et elle reviendra avec une grande puissance et avec une grande gloire, mais que sa vie qui était en lui soit sur moi et sur vous, c'est l'exacte vérité, et vous devenez Christ. Nous sommes le Christ. Dans notre sens. Mais dans tous les sens, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Vous souvenez-vous de mon message sur le Messie? Le Messie signifie loin. Vous êtes. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devenez loin. Maintenant, observez si c'est. Si c'est un oint selon la Bible, beaucoup d'entre eux sont oints. Tout est dans un tel grand mélimélo. Il y a toutes sortes de mélanges. Satan est entré avec toute sa ruse à imiter cela à la lettre.
Presque à la lettre. Il n'y a qu'une seule façon pour vous de pouvoir être absolument sûr. Comparez mot par mot. Mot par mot, c'est le seul moyen que vous avez. Mais moi, en tant qu'une personne, William Branham, ou n'importe quel autre homme ou femme, être le Seigneur Jésus-Christ, votre Sauveur, cela est une erreur. Mais quand à être loin de son esprit, qui amène en vous la vie de sa propre personne, c'est la vie si maintenant présentée sous forme de type en Élisée. L'incarnation est juste, mais pas la réincarnation. Jésus et Branham sont deux personnes différentes. L'adorable, c'est lui qui a sauté à Pélé. Et Branham, nous devons l'écouter. Comme le passé, vous devez l'écouter. À 100%. S'il y a quelque chose que vous ne croyez pas, vous devez me voir. Si vous n'avez pas le droit, cherchez quelqu'un à un autre endroit. C'est le conseil pour que vous puissiez aller au ciel. On n'est pas au ciel à moitié. Le chrétien doit être tout entier. Il n'y a pas une demi-église. Il n'y a pas un demi-chrétien. La rédemption consiste aux brebis et aux bergers. Sans conducteur, il n'y a pas le chemin de là au ciel. Et le conducteur est votre chemin. Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui agit. Tu peux voir le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit passé qui doit te conduire. Amen. Amen. Je lis aussi dans question réponse. Vous m'excusez, je vais terminer. Question réponse du 20 août 1964 matin. 20 août 1964 matin. Paragraphe 245. Non, monsieur. N'ajoutez pas votre propre. Tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, ne croit pas ce que j'ai dit. Amen. Vous comprenez que ce qui a dit Branham, c'est le fils du diable. Le fils du diable agit dans l'iniquité. Jésus avait le ministère de l'iniquité est grand. Et la fin de cela va finir par l'iniquité. Les gens de Noé savaient que la vérité, Noé disait la vérité. Mais encore, croire veillant. On ne va pas le croire. Amen. Amen. Je ne laisse certainement pas faire. Vous mettez ça là où vous. Non, ici il y a aussi une doctrine. Quand Branham a dit je vais quitter Jevesonville pour aller à Tucson. Il voulait quitter Jevesonville pour aller vivre là-bas. Ce qui n'est pas mal. Mais aller là-bas parce que Dieu est parti. Donc c'est là, l'enlèvement va se passer là-bas. Dis que l'enlèvement va se passer, c'est faux. L'allemand est universel. Aussi au sujet des familles qui ont tout vendu. Et sont allés habiter à Sierra Vista en Arizona. Selon leur interprétation de l'une de vos bandes intitulées, Petite Bethléem, l'allemand se produirait en Arizona. Leur avez-vous conseillé d'y aller? Les gens ont dit, on quitte nos maisons. On va là-bas, l'allemand c'est là-bas. Branham n'a pas dit ça. Il répond. Je ne l'ai certainement pas fait. Lorsque ou quelqu'un de là dans le Connecticut écrivit, j'ai répondu à cette lettre en disant, vous êtes en train de faire le déplacement le plus opportun.
que vous n'ayez jamais fait dans votre vie. Ne faites pas une chose pareille. Voyez-vous, vous ne pouvez pas. Souvenez-vous en simplement. Vous savez tout ce que je ne dis pas à ces gens de faire cela. Je leur dis de ne pas le faire. Mais vous voyez, cela doit venir après les réunions. Pourquoi les gens m'appellent-ils Messie? Pourquoi les gens? Ils doivent porter. Et bien, l'autre jour, un ami m'a montré là-bas un petit truc. Avait sur lui, il voulait que tous les gens soient baptisés en mon nom. Les Branhamites se baptisent au nom de Branham. Ça a commencé là-bas. Un frère ami, comme le frère Kamé peut venir vers moi, pasteur, baptise, c'est la révélation. Baptise, il ne faut pas attendre quand tu vas partir. Non, pas de Dieu. Il dit, cela ferait de moi un antichrist. Je n'appuie pas ces choses. Vous le savez tous. Et voyez-vous, cela montre seulement que le message est vrai. Ah. C'est ça qui montre que le message est vrai. Parce que si on dit aux francs-maçons, aux antichrist, aux prénomistes, c'est pour montrer que c'est vrai. Pourquoi tous au clou de ce message-là? Donc les catholiques ne sont pas des francs-maçons. Ce n'est pas l'antichrist. Pourquoi seulement ici? C'est la preuve que c'est vrai. Et Branham a défendu son message. Il a défendu la cause de Jésus. Et il a annoncé. Dans les exposés de l'âge de la Odyssée, dans le sous-titre du messager. Mais j'ai un traité, ce qu'on appelle le messager. Regardez ce qu'il dit. Quand il va partir, ça va continuer. Donc ce n'est pas étonnant. Ça confirme aussi le prophète. Il a parlé de ce qui va passer après son départ. On a parlé de ça. Il dit, je désire faire encore une comparaison entre le messager prophète de l'Odyssée et Jean. Le messager prophète qui précédait la première venue de Jésus. Les gens de son temps prirent les gens pour le Messie. Selon Jean 1, 19 à 20. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent des Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui es-tu, il déclara, il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qui en aura. Qui le prendra pour le Seigneur Jésus? Il y aura dans les derniers temps un esprit dans le monde qui séduira plusieurs et le fera croire cela. Matthieu 24, 23 à 26. Car il se révèle de faux Christ et de faux prophètes qui font des grands produits, des miracles au point de le séduire. C'était possible même les élus. Voici, je vais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici les dans le désert, n'allez pas. Voici les dans les chambres, ne le croyez pas. N'allez pas croire cela. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que celui de Jean reçu. Quand il était
Quand il était là, la voix qui criait, je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Amen. Amen. Il a annoncé. Nous voyons cela. Et il dit que quand le sang vient sur les gens, il ne peut pas quitter. Moi, j'ai déjà une expérience avec le frère Driden. Il est diacre de Branamis là-bas. Là, je vois, il est parti en Afrique, en Chine, je ne sais pas. Quand il était ici, il souffrait. Pour avoir 100 francs, il ne peut pas. Mais là, il a maintenant beaucoup d'argent. À cause de la fausse. Il est venu ici, j'étais ici. Il y avait des frères ici. Parce que là, il y a la bande. Quand tu caches, Branham, c'est Dieu. On va parler, tu viens à la maison. On se brochait. On va manger la même nourriture. Telle brochure. Je prends le canapé. Je dois passer à un autre. Donc, nous sommes le lutte avec Sika et Kaka. À un autre. C'est pas ça. Après, il y a une flash d'information. Les gens se disent que Jésus est passé. Il a lu ça au moins 6 fois. Driden a fait théologie. C'est un intellectuel. Il a sa licence en théologie. Toi, tu es littéraire. Mais encore. Donne ça. J'ai pris au fond du cœur. Je laisse la quitter. Les gens se disent aujourd'hui, je ne peux pas se faire. Les gens, c'est pas Branham qui dit ça. Attends, peut-être tu as oublié la brochure. Attends, le canapé. C'est ça? Non, je vais aller. On arrive à 16h. Je vais aller le voir cela avant de passer le Mélanzami. Pour le Branham. Une inspiration est venue. Je donne une inspiration. Tu as rendez-vous à 16h avec lui. Tu sais si ce rendez-vous-là se tient, je serai Branhamiste. Je vais presser Branham et Dieu. Oh, je te dis seulement, si c'est faux, tu verras demain ça à l'église. Si tu te rencontres aujourd'hui, je serai Branhamiste. Il est parti en vitesse. Il était 13h. À 16h, il arrive chez nous. Oui, pasteur, je suis là. Je suis blindé, viens. Oui, j'arrive. 18h. Moi, je dis, tu le verras même si tu dors là. 20h. Moi, j'arrive. 22h. Moi, j'arrive. 23h. À quoi d'angé? Il est venu se répandre ici. Et ça n'a pas fini. Après, il avait amené, il avait des livres. Des livres de pratiques magiques. On a amené ça, on a brûlé ça avec le fer. Il a caché un livre de l'initiation. Je ne l'ai pas trouvé. Après, maman, il dit, pasteur, je vais commencer mon église. Comme il était enseignant des écoles privées, il y a au moins 50 élèves à TPT là-bas, au collège d'Impaka là-bas. Ici, c'est loin, d'accord? J'ai 20 000 fois ici. Il est parti. Le 4, je crois le 3 ou le 4 janvier 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Dès qu'il commence, un frère qui est aussi dans une église n'a donné la place. Les gens sont venus se présenter.
il est blessé, il tombe à terre. K.O. Donc, on ramasse le lot. On l'amène dans une clinique. Et dans la clinique là, c'était la soeur Amène aussi qui travaillait là-bas. On a fait l'échographie. Ces intestins ont fait des nœuds. Ça, c'est vraiment, il faut intervention. Il écrit et il envoie la lettre ici. Nous avons prié ce dimanche-là. Le dimanche prochain, il est venu te guérir. Je n'ai rien. Il rencontre un autre pasteur qui le trompe. Oh non, le pasteur Joseph est mauvais. Je vais enseigner la Sainte Seine. Le Saint-Esprit est pour beaucoup. Il dit ça, c'est le frère Barthélemy. Frère Barthélemy vient me dire ça. Il dit, frère Barthélemy, quand tu le vois, dis là, je le cherche. Il me respecte. Il est aussi venu. Tu crois ça aussi? Le frère Branham commençait, il connaissait le secteur de cette scène. La première année, l'église va prendre la Sainte Seine. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il revient encore. Pasteur, il y a une écriture là. Il m'embête. Oh, là, c'est trop. Moi, je dis même ça à l'église. Je suis parti, il est parti. Quelques temps après, il y avait une réunion de en Sweco. On était avec le frère Prince et puis avec le frère Prince et le cabinet. Je rentre comme ça, on appelle. Il me voit, oh, pasteur. Joseph Branham, viens. J'étais assis là. Ah, courageux. Ils nous ont pris là-bas les Branhamistes. Donc, Pile est venu devant vers moi. Les gens ici, là, ils disent à l'église, je suis démon. Maintenant, ici, là, ils parlent. Tiens, poli. Un autre, il va intégrer le pasteur dans sa main, le pasteur divine. Les vieux, vous êtes aveugles. Vous n'avez pas la révélation. C'était vraiment scandaleux. Amen. Amen. C'est pas, ils sont conscients. Dieu ne sait que moi je prêche la vérité. Il n'a pas une semence. Il est fils du diable. La main de Satan. Leur but c'est de détruire la main de Dieu. Et faut dire que la main de Dieu a été créée dans le but de la main de Satan. Et voilà le combat qui existe. C'est la confiance de Dieu et Satan dans cette même église, dans ce même message. Et lorsque nous suivons cela du prophète, ça fait sortir la fausse vie et la vraie vie. Oh, c'est dans le frère, c'est pas nos frères. On doit les aimer comme on aime tout le monde. Mais on ne peut pas communier avec un Branhamiste. Vous les parlez, si vous ne pouvez pas laisser les aller. Ne discutez pas avec les fils du diable. Quand un fils de Dieu entend le son de la trompette, il va reconnaître la sortie. Ne soyez pas embrouillés par les richesses. Cela est éphémère.
Amen. Amen. La vraie richesse insondable, c'est la, la position fixée par Dieu. Depuis la Pentecôte, les vrais seigneurs ont combattu, ont soutenu son nom. Vous ne serez jamais combattu si vous restez son nom-là. Non. Si vous les soutenez, vous serez combattu. Vous aurez des épreuves de difficulté à cause du nom de Jésus. Parce qu'il a souffert. Vous devez porter votre croix aussi. C'est ça le seul combat. Même si tu ne connais pas d'autres doctrines, ça tu dois le graver dans ton cou, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta bouche, dans tes rêves. On sort du dehors. Quelqu'un va t'attaquer au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es en danger au nom de Jésus. Ça soit succulent dans vos bouches. Ça soit tout dans votre cœur. Amen. Il est Dieu dans tous les sens. Son corps physique va réapparaître. Et cette fois-ci glorifié. Le corps glorifié dans lequel sont mis le nombre, c'est l'assemblée du corps physique et de la théophanie mélangeant. Ça donne la glorification. C'est pour cette raison, le Saint-Esprit est en nous. Amen. En train de pouvoir amener l'immortalité dans ce corps. Et la théophanie va venir et rassembler et nous devenons glorifiés avec les saints d'autrefois. Et les saints qui sont partis vont rester dans leur corps de poussière. Nous savons cette gloire que nous avons. Et ils sont glorifiés. Et nous descendons sur la terre. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Si nous prions, nous venons ici pour attendre la seconde venue. Amen. Et la seconde venue, nous devons grandir. Nous devons monter l'escalier. Cette grade jusqu'à la chambre du roi. C'est là qu'il va nous recevoir. Amen. C'est pourquoi conserver cette divinité. Amen. Oh, il était Dieu, il est Dieu. Son corps est différent. Nous avons bien abordé le premier et le deuxième Adam ici. Amen. S'il y a un Adam, il doit se conformer. Vraiment, j'aime pour ça le prophète d'être clair. Il dit, s'il y a un autre Adam, il doit être taillé de la même manière que le premier Adam. Alors, il dit que Adam, Jésus a été créé comme Adam. Et pendant il dit que là où est mort, dans la montagne où est mort Adam, c'est là où Jésus est mort. Amen. Amen. Ça doit se conformer. Sinon, ce n'est pas un Adam. Amen. Et Adam, c'est dans le corps. On a fait sur le corps. De le pouce. Et Father me dit, quand Jésus est mort à la croix, le pouce est sorti de son corps. Amen. Maintenant, Branham a sorti que le pouce. Les francs-maçons là, les adultères, les sorciers. Amen. Mais c'est nous, il n'y a pas de sorciers.